pas rencontré son public, comme on dit publiquement. En revanche, 94 nous aura rapporté un lot de grosses surprises. Oh là là, exemple triomphe de la bande originale du film Farinelli, Il Castrato, qui s'est vendu en France à 100 000 exemplaires dans les 10 jours qui ont suivi sa sortie. Pour un disque classique, c'est vraiment exceptionnel. C'est et Farinelli est toujours troisième du Hit Machine. En 94, on ne compte plus le nombre d'artistes qui ont sorti des albums live. Dans la catégorie Unplugged, bien sûr, il y a eu Paris sans finir Nirvana, Robert Plant ou Jimmy Page.